sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountain. Et il y a la piscine là. Dis-moi, un secret entre nous, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, je vais faire un éveil énergétique. Je vais expliquer un petit peu à quoi sert ce rituel énergétique pour justement harmoniser les énergies, rééquilibrer, que les gens se sentent bien. Avant ça, je vais tous les faire changer de place pour créer le chaos. Ils sont bien installés et puis on fera une séance de sophrologie, on expliquera le stress, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le gérer. Ah, c'est la première fois que je présente un atelier sur la piscine. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. On va vraiment essayer à partir d'aujourd'hui de se poser. C'est vraiment pour ça qu'on a commencé ce premier atelier qui est un atelier de sophrologie avec Anne Usé. Alors c'est que je dis souvent dans mes émissions, ben, pendant l'année, dans notre quotidien, on est toujours en train de courir, on est toujours en train de rentabiliser nos journées, notre vécu, voilà, tout, on rentabilise, il faut aller vite, il faut se dépêcher, il faut. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. La fille, il nous énerve, on le fout à l'enflamme. Ah bah non, c'est déjà une grande, encore plus optimiste. L'autre, il est occupé à filmer la valse. Je couperai rien. Tout le monde verra que tu es méchant avec moi. La petite poulet dessus, ça sert à quoi ça? C'est un appareil photo portugais, il est poilu. Ah, c'est marrant. Ah. Ça, c'est bien. C'était si bien. Ça s'appelle le syndrome du rétroviseur, mesdames et messieurs. Avant, c'était toujours mieux. Quand on dit, c'est vrai, aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Reprenez juste ces sketchs d'il y a 30 ans, écoutez-les, et vous allez être étonnés de voir au combien ils sont encore très d'actualité. Ceci est fait par un professionnel, ne pas reproduire chez soi. Très important. Ceci est fait sans trucage. Et je vais devoir me dépêcher parce que, bien entendu, je risque d'étouffer. Vous connaissez l'expression « j'étouffe » Oui. Ben voilà.
Et bien entendu, puisque je ne vois plus rien, je n'ose plus avancer, je rentre dans ce qu'on appelle l'immobilisme. Je bouge plus. Parce que oui, bien entendu, si j'avance, je risque de me prendre un pilier. Au mieux, je me prends Julie. Au pire, elle me baffe. Ça va, c'est pas si mal quand même. Ouais, enfin bon. Alors, je peux y aller à la voix, mais j'ose pas trop. Je vous remercie. Et maintenant, après la conférence, j'ai compris. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu les gros sacs poubelles, énormément de sacs poubelles, mais j'ai toujours rebondi avec ce positivisme qui m'a gardé en vie, qui m'a gardé avec ma joie de vivre. Et en écoutant la conférence, ben voilà, je me demandais pourquoi il m'avait choisi, mais voilà. Et je tenais à le remercier parce que c'est un magnifique cadeau. Que c'est bientôt mon anniversaire et ça ne pouvait pas tomber mieux et que je suis terriblement émue et je te remercie Michel, vraiment. Mes projets, oui. C'est continuer. Continuer. C'est d'être bien entourée et de continuer ma mission cette semaine. Ça va, eh bien, félicitations. Je pense, elle peut rester. Est-ce qu'elle peut rester? Oui. C'est pas assez franc. Est-ce que vraiment elle peut rester? Elle va lire tout là. Hey. Attention, il y a paparazzi. Vous allez écouter. On fait une soirée dentifrice. Une soirée dentifrice. De se masturber avec une dentifrice. D'accord. Écoutez, moi dans 5 minutes, je fais une soirée cure-dents dans ma chambre. Si ça vous intéresse.